Ne manque pas la maison magique de Mickey sur Disney Junior. Mais d'abord, regardons ensemble un autre moment magique. Aujourd'hui est un jour très relaxant. Et la bande se repose tellement que même les jambes de Dingo se sont endormies. C'est peut-être le moment de faire un peu d'exercice. Il n'y a pas de raison que vous ne vous amusiez pas. Ça vous dirait un petit match de volleyball? Oh oui, quelle bonne idée. Oh, je me sens si bondissant. Ça va être tellement amusant. J'adore jouer au volleyball. On dirait que tu vas devoir attendre un moment pour ça, Daisy. Non, Daruban, c'est Clarabelle. Oh, bonjour, les amis. Dites, qu'est-ce que vous faites ici, au milieu du terrain de volleyball? Oh, rien de spécial. Je me la coule douce en sirotant un smoothie. C'est un vrai délice. Oh, Clarabelle, on avait envie de faire un match tous ensemble. Vous pouvez même vous joindre à nous si vous voulez. Oh, je suis bien trop détendue pour bouger en ce moment. D'ailleurs, je ne pourrais même pas jouer si j'en avais envie. Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'on est toujours en plein temps mort. Temps mort? Je comprends pas. Est-ce que c'est comme une punition quand on a fait quelque chose de mal? Oh non, pas du tout. Ce n'est pas ça, un temps mort. Tous les jours, quand nous jouons dehors, notre arbitre municipal Coucouloulou donne un coup de sifflet pour annoncer temps mort, pour que nous puissions tous faire une pause. Temps mort! Temps mort! Temps mort! Salut, Pat! Tiens, 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 regardez qui voilà! Juste à temps pour se joindre à moi pour un petit festin! Donald, Pluto! On est venu ici pour chercher l'arbitre Coucouloulou, rappelez-vous! L'arbitre Coucouloulou! Ah, personne n'a eu de ses nouvelles depuis hier. Je n'ai rien eu à faire d'autre que de me détendre toute la journée. Bon sang, Pat, je sais que c'est bien de se détendre parfois, mais vous n'aimeriez pas jouer au baseball? Si, peut-être bien. Mais je ne peux rien faire avant le coup de sifflet. Oh, je suppose que personne ne va pouvoir faire d'exercice jusqu'à ce que le sifflet de la reprise retentisse. Pluto, reviens ici! Non, non! Laissez-le faire, il pourra peut-être se débrouiller pour que ces deux écureuils me disent où ils ont caché mon sifflet. Votre sifflet? Oh! Dépêche-toi, vite! Ils sautent après nous! Vous avez une petite explication à nous donner. Nous ne voulions faire de tort à personne. C'est juste qu'on a enfin assez d'espace pour courir et s'amuser pendant que tous les autres font une pause. Oh. Oui, et il n'y a que deux temps morts par jour. Alors en récupérant le sifflet, ça nous donnait davantage le temps de jouer sans être dans le passage. Seulement deux temps morts? Oh, tu as raison. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour jouer. Cela ne donne pas non plus à tous les autres le temps de se reposer. Ah ouais, il faudrait avoir un temps égal pour jouer et te reposer. Trop de l'un ou de l'autre, ce n'est pas bon. Alors j'ai une idée. À partir de maintenant, je vais siffler 4 temps morts par jour. Cela devrait donner à tout le monde assez de temps pour se reposer et jouer. Même à vous, les écureuils. Oh, ah, bravo, c'est une idée géniale. C'est une bonne solution, arbitre Coucouloulou. Vous êtes prêts, les amis? C'est la reprise. Faire de l'exercice, se reposer et jouer sont des activités très importantes. On peut jouer! Mais pour le faire de manière saine, il faut consacrer suffisamment de temps à chacune d'entre elles. La santé passe avant tout. Abonne-toi pour d'autres vidéos et retrouve tes aventures préférées sur Disney Junior.